Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler tout simplement du ressenti, enfin, de l'épisode, du premier épisode du survivaliste. Le premier épisode est sorti hier. J'ai eu quelques commentaires pour me dire que 40 minutes c'était long. Oui, c'est une chose de lui dire. Moi, personnellement, je pense que dans la vidéo, il y a un souci de rythmique. C'est-à-dire que, à un moment donné, dans la vidéo, le temps paraît super, super long. Ce qui fait que 40 minutes, c'est long. C'est juste un problème de dynamique dans le sens faire des coupures montage un peu plus fréquemment, donner un peu un autre angle et tout ça. Bon, ça c'est quelque chose qui peut être arrangé au fur et à mesure. Aussi, c'était mon premier épisode, donc je ne savais vraiment pas comment j'avais tourné le truc. Vraiment pas comment j'avais voilà donc les prochains épisodes je sais je verrai pour faire autrement à chaque fois jusqu'à trouver la façon de faire qui marche le mieux et qui soit simple pour moi et simple à faire quoi, hein, tout simplement. Pour moi, je pensais effectivement faire un épisode assez long. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas trop. Il faut surtout ramener de la dynamique, pardon, et de la pêche dans les vidéos. Ça, je pense, oui, effectivement, il y en a besoin. Deuxièmement, ces épisodes-là sont assez difficiles à faire. D'une part parce que je suis seul. Et la deuxième part parce que voilà, mettre en condition, mettre des techniques de survie dans un mode de pas survie. Parce que voilà, il y a un déséquilibre. Alors moi, c'est ce que je ferai une fois que dans un épisode, voire plus. C'est de me mettre réellement en danger pour pouvoir montrer au mieux. Alors, quand je dis réellement en danger, je ne serai pas tout seul. Hein. Je veux dire, il y aura une équipe avec moi, mais ça, c'est dans un futur. Si la chaîne elle marche, oui. Si la chaîne elle marche, si la chaîne YouTube prend son envol et... déjà j'ai du matos pour filmer, pour faire les montages, pour avoir des gens avec moi. Oui, je le ferai. J'irai volontiers aux quatre coins du monde, histoire de me présenter mes trucs. Ça je le ferai volontiers. Vraiment. Mais après ces épisodes-là, pour l'instant, sont pas évidents à faire pour moi. Pour un peu éclaircir aussi le fait que y a cette chaîne YouTube qui est là, qui est présente. En ce moment, je ne fais que ça. Mais il faut aussi savoir que je suis musicien dans la vie. Enfin, c'est pas mon métier, bien que quand j'en rêve. Mais il faut savoir que j'ai une chaîne YouTube pour mon projet du Running Hope, mon One Man Band. Je suis seul aussi dans ce groupe-là, où je fais tout. D'ailleurs, ici, on est dans... Alors bon, voilà, désolé, je fais un peu de promo, mais... Là, ici, on est dans mon studio, quoi. Donc voilà, je suis musicien, ma première chaîne YouTube, Running Hope, je vous mettrai un lien dans la description que vous puissiez aller voir ce que c'est.
Et ensuite, après, il y a aussi un nouvel album qui va sortir au courant d'année, plus un court-métrage, et j'ai encore un autre groupe, voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses. Bon, les épisodes comme ça, il n'y en aura pas toutes les 2 semaines, enfin, pas toutes les semaines, 2 semaines, tous les 2 semaines, 1 mois, hein. En gros, ça sera ça. Donc, voilà. Ensuite, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai quelques vidéos du premier épisode qui ont été tournées pour faire un petit making-of. Ça n'a rien d'extravagant, mais bon, ça peut être, enfin, ça peut montrer des choses qui voilà. Voilà, c'est pas énorme, mais voilà. Moi, je vous dis à la prochaine et laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous avez vraiment pensé du premier épisode. Vraiment, peut-être pas dans les détails, mais voilà, ce que vous avez aimé et pas aimé. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bonne préparation. Ciao. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo. Bon, là je m'apprête à partir pour le guide du survivalisme. Donc là j'ai mon sac qui est prêt, hein, avec tout ce qu'il faut dedans. Donc voilà, il est beaucoup plus tard que j'avais prévu. Mais voilà, il a fallu se reposer un peu en ce moment. Je suis assez ouais, en ce moment ça donne un peu partout. Non, bon bah il est 8h55, c'est pas non plus dramatique. Là on va juste chercher quelque chose et puis après on part. Et on fera un journal de bord comme ça pour vous dire à peu près comment ça va se passer et où est-ce que je vais aller. Parce que pour l'instant, je sais dans quel point je vais aller, mais exactement où, je ne sais pas. Et la difficulté, bon, on aura une difficulté un peu difficile, parce que déjà là, ce matin, je me suis réveillé, j'avais une bonne heure et demie déjà, il y avait quand même déjà un peu de givre sur le sommet. Et là, on va aller sur l'altitude. Bon, on va plus galérer, parce que oui, l'idée aujourd'hui, c'est de vous apprendre à faire du feu sans l'objet magique rubriqué, sans briquet d'ailleurs, je ne sais même pas si j'en mets. Bon, comme ça, moi, ça fait tout du frais. Donc voilà. La vidéo et regardez-moi ça, comme c'est beau ça, hein. Bon, par contre faut aussi que je regarde où je roule, mais franchement qu'est-ce que j'adore être là, moi, qu'est-ce que c'est beau. Et donc voilà,
Et bonjour mes amis, bienvenue. Et puis voilà, bah ça y est, on est arrivé à un bel endroit là. Donc moi je suis prêt. J'ai tout ce qu'il faut. Couteau, hache. Voilà. Bon. Alors on va y aller. On va faire un petit tour doucement, tranquillou, on va prendre les repères. Les, c'est mieux. Chez moi après, on sera vraiment en mode survie. Voilà. Bon, voilà, un joli terrain qui va être le terrain de jeu. Donc on va essayer de faire la vidéo d'ici quelques minutes. Voilà, il réfléchit juste que je remets. Et voilà.